Toujours pas de pétrole en France, mais beaucoup d'idées. Dernière innovation, ces panneaux photovoltaïques conçus par l'IPREM, laboratoire de l'Université de Pau. Leur avantage par rapport aux panneaux classiques à base de silicium, une grande souplesse d'implantation. Inutile de les poser face au soleil. Ici, on les incline à l'inverse de la structure, comme vous pouvez le voir, et orientés sur toutes les faces nord-sud-est-ouest. Ils produisent pareil. Autrement dit, ils ne produisent pas beaucoup, parce que c'est une réaction chimique qui se fait quasiment, et un transfert d'électrons, plus précisément. Donc, ils ne produisent pas beaucoup, mais très tôt le matin. Ça veut dire que là, avec ce temps-là, couvert, ils sont à fond de leur puissance. Après la conception en laboratoire, ces panneaux sont testés grandeur nature sur des bâtiments publics dans 8 communes aux confins du Béarn et de la Bigorre. Ici, le préau de l'école de Sète-Maubec avec l'installation des capteurs sur une charpente. Les panneaux translucides donnent une ombre douce. Objectif de production, assurer la consommation électrique des bâtiments hors chauffage. Des panneaux aussi plus gracieux avec des tons et des couleurs. On peut les marier dans un site patrimonial et naturel pour qu'il y ait une insertion paysagère maximum. Et donc être en résonance avec le milieu pour pouvoir et combiner la technologie et l'esthétisme et l'insertion de bâtiments du 19e siècle. Notre mairie vient du 19e siècle et le nouveau bâtiment qui est du 21e siècle. Ces panneaux sont également recyclables, moins consommateurs d'énergie pour leur fabrication. Le solaire de demain testé dans un territoire rural de toute petite commune dotée de pépites technologiques.